J'ai une petite devinette. Qui a dit c'est la fin de la Ve République telle qu'on la connaît? Son élection, Monsieur Macron, ce qu'au diable ne plaise, précipiterait la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique. Alors, dans ce vide, le populisme le plus abject arrivera, celui de Madame Le Pen, à n'en point douter. Je vous dirai qui a dit ça, mais je voulais chercher. Non, mais c'est une devinette, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite, c'est pas drôle sinon. Donc, je voulais chercher, si quelqu'un a une idée. La personne est dans la salle, hein. Je donne un gros indice quand même. Gros indice. Et je crois que effectivement, quand on est en train de discuter de ce genre de sujet, on voit bien que la pente est prise. Mais elle est prise, ça c'est sûr. Alors c'est sûr que pour l'amendement de nos collègues socialistes, 3, ben, c'est mieux que si c'était pire. Mais au fond, je dois quand même... Je suis admiratif du ministre, je dois vous le dire. Au fond... Non, mais, monsieur le Président, je suis désolé, je suis admiratif du ministre. Merci. Il est trop fort. Je recommande à tous les étudiants qui analysent les sophismes de faire une compilation de toutes ces interventions. C'est magistral, parce qu'il y a différentes combinaisons de sophismes, vous savez, monsieur le Président. Il y a le classique A est égal B, B est égal C, donc A est égal C. Mais il y a plein de variations. Et il les maîtrise toutes. Il est très, très fort, monsieur le Président. Merci. Très, très fort.